1-0. Bonsoir Montréal, bonsoir Québec. Je suis très contente aujourd'hui. Une personne à laquelle j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration, ça fait longtemps que je la suis, elle était sur mes contacts professionnels et moi je regardais avec beaucoup d'admiration son travail, son art. C'est incroyable, simplement incroyable. Comment ça va, Marie? Ben bonjour, bonsoir, moi ça va très bien et vous aussi? Oui, ça va très, très bien aujourd'hui. Je pense que le monde est très content de connaître un petit peu plus d'une artiste québécoise très intéressante, avec un art très particulier. Alors, on va commencer l'interview. Qu'est-ce que tu penses? Avec la première question, on va y aller pour la rechercher. On a préparé quelques questions. Si le monde de la marée posait des questions aussi, c'est ouvert. Et on va développer l'interview. Et chaque question, on va y aller sur une vidéo pour que le monde sache comment c'est lequel ton travail, le monde qui est à l'extérieur de Montréal et ne te connaît pas. D'accord? Alors, on va y aller. Comment est né l'intérêt de développer votre art sur le sable? En fait, on m'a trouvé parce que je suis une artiste qui est très, très taciturne dans ce sens que je suis dans mon atelier, je suis assez, je suis pas une personne qui va beaucoup dans le monde, mais on parlait déjà beaucoup de moi comme artiste visuelle au Québec. Et une personne qui s'occupe des événements cherchait une personne de spectacle pour faire un spectacle de dessin sur sable qui n'existait pas au Québec ni au Canada. Il n'y avait pas d'artiste encore.
Alors, de Coq à l'âne, la personne a parlé, la personne qui a l'agence d'événements spéciaux pour faire un spectacle pour le Québec, pour la ville de Québec. Donc, soudain, elle a eu mon nom, OK? Mon nom est sorti dans les artistes qui pourraient peut-être faire. Elle voulait une fille, une femme ou un homme, en tout cas, les cheveux très longs. C'est sûr qu'elle préférait une femme parce qu'elle pensait à Kenya Simonova, qui se trouve être un autre artiste de centre dans le monde. Et puis, c'est ses cheveux longs, bruns. Elle a dit, peut-être je pourrais avoir une personne dans ce genre un peu spectaculaire. Donc, on m'a nommée, et là, j'ai eu un téléphone, et puis là, elle m'a dit, est-ce que faire de l'art de sable, c'est quelque chose qui vous intéresse? Tout de suite, quand j'ai parlé, j'ai dit, ben, j'ai jamais vu l'art de sable. J'ai vu de l'art de sel. Et j'ai dit, oui, pour moi, tout est possible. Elle dit, est-ce que vous êtes capable de réaliser des spectacles en public? Ben, j'ai dit, ça, j'ai jamais vraiment fait, mais je suis une personne qui est quand même capable de. Je suis une enseignante, je suis une pédagogue, j'anime des groupes. Donc, oui, je crois, puis j'ai déjà fait du théâtre. Donc, je pense que je serais peut-être capable de le faire. C'est tout, c'est arrivé comme ça. La personne, quand elle m'a vue, elle a dit, waouh, c'est ce que je voulais avoir comme personnage. Non, elle cherchait un personnage. Mais avant, tu étais connue aussi pour faire la peinture avant, hein? Tu avais la technique de peinture, tout ça. C'est ça, exact. Moi, je suis plutôt écologique, donc je travaille avec du café. J'ai toujours développé des techniques un peu particulières qui ont déjà existé, mais j'ai travaillé à pousser la technique un peu plus loin. Donc, je suis une personne qui est un peu comme en recherche. D'ailleurs, je suis en recherche aussi à l'université dans un autre thème, mais c'est la recherche m'intrigue, la recherche m'interpelle. Je suis une personne qui aime développer des choses particulières. Donc, oui, l'art de sable existe, mais j'ai ma propre démarche. OK? En chaque chose, on ne peut pas inventer tout, mais on peut prendre quelque chose et le personnaliser, l'individualiser, l'intérioriser, faire que ce soit un wow. Tu imprimes ta signature, ça veut dire le monde qui va regarder ton spectacle, ça va pas être pareil dans un autre endroit, c'est unique. On va dire comme ça? Oui, c'est ma façon de dessiner, ma façon de signer, ma façon de toucher le sable, ma façon de bouger avec le sable. Tantôt, quand on parlait à l'extérieur, tu me racontais, parce que moi, toujours quand je regarde les vidéos, je dis comment est-ce qu'elle fait pour pas que le sable, ça tombe sur elle, comment est-ce qu'elle fait pour dessiner sans avoir de problèmes, techniques avec le sable? C'est mes cheveux qui me protègent et mes cils. Moi, il y a des chevaux, mais quand je suis à la plage, le sable Mais il tremble après partout, partout, partout. Ça dure à peu près 10 minutes en général. Ouais. C'est une performance. Donc, en général, les spectacles sont d'une durée de 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutes. 10 minutes tout au plus. Mais il n'y a pas de problème avec la sable tombe sur toi, sur tes yeux ou quelque chose, non? Un peu quand même, oui. Après, j'ai quand même des petites difficultés. Je sens les petites pellicules dans mes yeux. Ça gratte, mais je vais prendre une douche tout de suite après. OK, wow. Ouais. La technique que vous développez pour les images sur le sable. Êtes-vous la créatrice, la personne qui a fait le créateur, la personne qui a fait ça? Je vais vous le dire, c'est qui le créateur? En fait, on n'est pas certain, mais David Myriam, en Europe, c'est un des premiers instigateurs de la technique. Autrement dit, qui a commencé à dessiner avec du sable sur les tables lumineuses, comme les architectes, okay? Mais en mettant du sable dessus. Donc, en enlevant, en ajoutant, en bougeant le sable avec des pinceaux, avec des doigts, avec toutes sortes de choses, ben, David Myriam, c'est l'instigateur de, je crois, sous toute réserve, mais je crois vraiment que c'est lui qui a créé ça. Puis il y en a eu beaucoup d'autres artistes, beaucoup d'autres. On s'entend que dans le monde, il y en a peut-être 60, 70, peut-être 100 aujourd'hui. OK, mais quand moi j'ai commencé, il y en avait près d'une cinquantaine. Et j'étais la première au Québec et au Canada, puisqu'il n'y en avait pas. Le Cirque du Soleil en cherchait aussi. Alors, c'est là qu'on m'a recruté beaucoup parce que c'était unique. Mais l'art en tant que tel existait déjà. Et là, on développe juste une personne, un style ou parce que moi, je suis très chaud, je suis très hors de scène. Ok, j'ai une prestance sur scène qui, même si je dis rien, je ne fais que dessiner. Mon caractère est assez puissant
que ça se démarque dans l'environnement. Ouais. Ça sort, une personnalité assez forte. Pense. On m'a regardé une vidéo, ça c'était à Laval. Est-ce que tu te souviens de ça? C'était à Laval, je pense que c'était la semaine de l'agriculture ou quelque chose. Alors, on va le regarder et on revient. Ça sera pas long. OK. Et voilà, on dirait que mon regard, c'est assez facile. Moi, je ne suis pas capable même de faire avec un papier ou un bonhomme. Mon Dieu, que c'est beau.
Sí, yo trouve toujours très intéressant le monde qui est dans le monde de l'art et du design. Pour moi, c'est tellement difficile. Alors, quand je regarde une personne qui a ce talent, c'est comme waouh, incroyable, vraiment. Si vous devez enseigner l'art de peindre sur le sable, quelles sont, selon vous, les compétences de base nécessaires pour développer cet art de niveau comme le vôtre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? J'ai commencé lorsqu'on m'a demandé de faire du dessin de sable, est-ce que j'étais capable d'en faire? J'ai décidé de faire ma table de dessin sur sable avec le sable. On a acheté du sable, tout ça. Puis j'avais ma table lumineuse, tout était prêt. Alors, le premier dessin que j'ai fait pour vérifier si j'étais capable, puis si vous êtes capable de le faire, vous seriez capable de le faire aussi. J'ai fait un cercle, j'ai fait un sourire, deux petits yeux. Ça y est, t'es capable. Si je suis capable de dessiner un bonhomme sourire, on Moi, peut mal le faire. Mais toi, tu as fait des ateliers sur ça Oui, j'ai fait des avec des ateliers enfants? sur ça. Oui, parce que à Québec, à Montréal, c'est-à-dire, c'est drôle, c'est à Montréal. J'ai eu la demande juste avant le COVID de faire un atelier de sable à Québec, une des premières écoles, la commission scolaire des premières seigneuries. Mais finalement, à cause du COVID, tout a été reporté et puis probablement annulé et reporté, on ne sait pas encore, puisque ça dure et ça perdure. Mais à Montréal, c'était des ateliers auprès des enfants très jeunes qui avaient vu un spectacle de sable que j'ai fait à Montréal avec une pièce de théâtre dans laquelle c'était le spectacle d'Ulysse. Et l'histoire, moi, je l'imageais en image, l'histoire, autrement dit, la raconteuse, et les musiciens faisaient leur spectacle, autrement dit. Puis moi, par petits bouts, par période, je venais dessiner ou illustrer ce qui avait été un peu comme raconté. Alors, les enfants étaient tous assez épatés de tout ça. C'était quelque chose comme un peu une magie. Alors, c'était d'amener un peu la magie dans les écoles qui étaient sous. On est allé visiter les écoles plus qui avaient besoin de motivation, d'enracinement aussi, des écoles qui avaient des besoins particuliers pour aider ces enfants-là à avoir un regard sur la vie et sur le monde et sur l'art et avoir le goût de vivre, le goût d'avoir des ambitions, le goût d'avoir des motivations, de se développer aussi, de vivre des émotions positives à travers l'art. Et la sensibilité, c'était très, très multisensoriel. Donc, c'était vraiment une expérience qu'on voulait faire vivre aux enfants. Et les écoles à Montréal ont embarqué avec ce projet-là. Donc, c'est encore valable dans le sens que tant que le COVID existe, c'est sûr qu'on n'a pas on peut pas le faire, mais quand ça va être passé, oui, on offre des ateliers avec la compagnie La Nef qui est associée avec moi pour ça. Donc, c'est des ateliers d'art de sable pour les jeunes, pour tous les âges en fait, parce que là, on a ciblé des plus jeunes qui étaient venus voir le spectacle, mais si c'était des adolescents, ça pourrait aussi sensibiliser ou faire vivre une expérience unique pour ces jeunes-là, voir aussi leurs possibilités. Ouais. Et dans ces cas, c'est comment que ça marche? Tous les enfants sont un petit tableau avec le sable et comment. Vrai que c'est un peu difficile à réaliser. Moi, je pars pas avec ma grande table à dessin sur sable. J'ai une petite table lumineuse miniature, hein, et je fais faire une rotation pour que chacun puisse dessiner sur la table lumineuse miniature. Et entre-temps, moi, je fais dessiner avec du sable plus foncé sur une feuille blanche. Donc, ils expérimentent quand même l'effet lumineux d'enlever le sable et de voir une trace blanche qui sort. Okay? Et quand ils arrivent sur la table, la petite table lumineuse, ils ont le même effet, okay, que sur leur feuille. Donc, et c'est une expérience. Je leur demande d'être un peu comme un artiste cette journée-là, quand ils sont en train de faire leur expérience, de te mettre debout. T'es pas assis, parce que moi, quand je dessine, je suis debout et je vis et je mets de la musique et on vibre quelque chose, on sent les émotions. Donc, on suit la musique avec nos doigts, on danse avec le sable, on danse avec la musique, on danse avec l'air. Moi, j'aimerais y aller là. Je t'écoute, j'aimerais y aller pour prendre les cours, je te jure. En 2012, vous faisiez partie du Cirque du Soleil, reconnu mondialement pour des artistes de qualité. Et qu'est-ce que cette expérience a représenté pour vous?
Ça s'est représenté plusieurs fois. J'ai juste des opportunités qui ne se sont pas réalisées. Ils sont quand même venus me voir plusieurs fois. J'aurais pu, pour commencer, aller à Las Vegas. J'avais été sélectionnée pour le spectacle Zarkana. Puis finalement, ben moi, je ne pouvais pas parce que mes enfants étaient trop jeunes à l'époque. Je ne pouvais pas partir un an de temps aux États-Unis. Mais j'ai fait des petits gigs, on va dire, comme des événements plutôt. C'était plus ça qui me parlait pour moi en tant que femme, mère de famille, enseignante et artiste de sable. Donc, c'est sûr que quand j'ai fait un spectacle pour le Cirque du Soleil à Québec, à Montréal, c'était pour les Olympiades de gymnastique mondiale au Stade olympique. Et c'était très, très, très bien de faire partie parce que là, on a travaillé avec les artistes qui dansaient, les danseurs. On avait un spectacle, on présentait, on faisait l'ouverture des Olympiades. Et puis, c'était un gros événement. Donc, moi, j'avais un 5 minutes, puis les danseurs avaient 5 minutes. Puis, ensemble, on a construit un spectacle. Donc, comme les gens du Cirque du Soleil disaient, un professionnel, j'étais une professionnelle, ça me faisait drôle de dire ça, oui, mais en fait, oui, en fait, on devient des professionnels. Alors, c'était une belle. Et à la fin, quand j'ai sorti de ma table de dessin de sable, je suis allée sur la piste de danse avec eux, puis on a fait le salut. J'ai bien aimé ça, être avec les danseurs. C'était parce que moi, je trouve que j'en fais un peu partie de ces. C'est un peu une danse alternative, mais c'est une danse. Hein, le dessin, là. Puis, ben, c'était la première fois que je faisais un spectacle devant 20 000 personnes. J'avoue que j'essayais de voir s'il y avait une différence à l'intérieur de moi quand j'étais sur scène. Puis, j'étais comme si ma maman était en arrière de moi. C'est ce que j'ai dit, ça n'a pas changé rien. C'est comme à chaque fois que je fais un dessin sur ça, même s'il y a 3 000 ou 2 000 ou même 20 000 personnes, ben, j'imagine que ma petite maman d'amour est en arrière de moi quand je lui ai montré les premières fois que je faisais du dessin sur sable, puis qu'elle pleurait à chaque fois que j'en effaçais un pour recommencer un autre dessin, pour m'en aller vers la fin de l'histoire. Puis je me rappelle toujours de cette émotion-là que ma mère était derrière moi pour regarder mes dessins. Puis je me dis, quand je fais pour 20 ou pour 2 000 ou pour 20 000 personnes, c'est comme si je le faisais pour ma petite maman. Là, en parlant de ta petite maman, j'ai trouvé une vidéo sur que tu as fait comme une sorte d'hommage à tes parents. C'est Oui. super beau, c'est très touchant. Alors, on va le mettre, ça dure quelques 5 minutes, on va le mettre pour que tout le monde le voit et on revient. Ça sera.
C'est super beau. C'est super beau. Et regarde, il y a des commentaires, il y a quelqu'un qui écrit sur quelques pages de Facebook, je ne peux pas regarder ce qui dit, c'est beau, il t'a mis des corps. Il y a quelqu'un, Katie Olivet, comment ça va, Katie? Elle dit, quel beau travail artistique, congratulations, Marie-Linda Bluteau. Et tendresse, amour, félicitations. Merci. Alors, quand tu es en train de faire toutes ces sortes de designs, tu es dans ton sphère artistique, qu'est-ce que tu ressens? C'est intéressant, tu es conscient des choses que tu es en train de faire et de développer. Je Oui, sais mais... pas, on dirait que tu es dans un autre monde quand tu commences à faire le process de création, c'est fou. C'est vrai que j'entre dans un monde, mon monde et le monde à qui c'est dédié. Parce que c'est pour faire plaisir, c'est pour offrir, c'est pour donner. Mais c'est drôle parce que ce spectacle-là, pour ma mère, mon père est décédé, puis je n'avais pas regardé. Je l'ai vu une fois, mais là, j'ai pleuré. J'ai juste de pleurer. Parce que ça me refait vivre ce que j'ai vécu au moment où j'étais capable de le dessiner. Pour l'amour, et juste pour l'amour, c'était un don de soi. Alors, quand je fais un dessin pour quelconque entreprise ou pour quelconque personne, c'est vraiment un don de soi et c'est pour rendre les autres heureux. Un peu comme quelqu'un va offrir une fleur à quelqu'un. C'est de l'amour pur. Donc, ça va au-delà de la matière. C'est hyper sensible. Donc, moi, ça me connecte, c'est mon cœur, mes mains qui touchent à l'émotion. Moi, quand j'ai vu les vidéos, moi aussi, il y a quelque chose qui, il y a des artistes, moi, il y a des artistes et des artistes. Il y a des artistes comme toi, avec un tempérament qui s'attrache. Tu regardes et tu peux sentir la même émotion quand tu regardes les choses qu'il est en train de faire. Moi, quand j'ai fait la édition de vidéo, parce qu'il faut changer la musique et tout ça, Ouais. pour trouver la musique, je recherchais beaucoup parce qu'il y avait une sensibilité dedans que je ne voulais pas la. Tu sais? Enlever, ouais. Oui, c'est ça. Alors, tu peux ressentir qu'est-ce qu'il y a à travers ton design. C'est magnifique. Je ne sais pas si tu te rends compte de autant magnifique comme je te vois là, parce que Non. pour toi, c'est naturel, c'est ton art. Mais c'est quelque chose de très intéressant. Pierre Gilbert dit bravo, Linda. C'est mon Quel frère. talent, C'est toi. mon frère de cœur. Oui. C'est mon frère de cœur que j'aime profondément. Et je suis d'accord avec lui. C'est très, très, très intéressant. Vraiment, c'est très, très intéressant. Et là, on avait fait ça. Nous vivons actuellement des moments très difficiles avec la pandémie. On observe que nombreux, mon français, artistes ont été touchés par la pandémie. Dans ce contexte, comment décris-tu l'art, la culture et son importance? Moi, c'est curieux, ça le fait, ça m'a pas fait de mal, cette pandémie-là. Au contraire, c'est devenu des vidéos. Ça s'est transformé. J'ai eu des approches sur les légendes autochtones qui m'ont fait faire 13 légendes amérindiennes pour Pan-Canada. Et curieusement, j'ai eu une autre approche pour des légendes amérindiennes encore en vidéo de dessin sur cendre, autrement dit, des légendes amérindiennes, mais des légendes autochtones du Québec aussi. Alors, c'est comme une de mes plus grosses années dans laquelle j'ai dû juste aller à Calgary parce que c'était aller faire le tournage pour les vidéos pour EPTN TV. Donc, c'est des grosses années, moi, on dirait que c'est comme, c'est pas l'apothéose, je crois encore plus que ça, mais c'est quelque chose de fantastique. C'est comme l'art touche les gens, l'art touche tous les pans de la société dans des moments où est-ce qu'il y a des émotions difficiles à vivre ou des choses à vivre, des événements qui sont insurmontables. L'art
finit par transcender tout ça. Et ceux qui choisissent l'art le transcendent pour vrai et le font faire aux autres. Donc, dans les événements, il y en a qui vont chercher des artistes qui parlent avec leur cœur pour pouvoir passer outre certaines difficultés ou certains défis dans la vie. Parce que moi, j'aime pas dire le mot difficulté, j'aime plutôt dire tout ce qui est défi. Donc, c'est comme très positif, au contraire. Puis je souhaite à tous ceux qui sont des artistes, qui sont réellement artistes dans leur âme, je sais qu'il va y avoir quelque chose qui va... Quand c'est notre voix, quand c'est facile, oui, j'ai travaillé fort. Mais oui, quand c'est facile, quand c'est ça sort devant nous, c'est probablement la meilleure voix qu'on a dans tous les sens du terme. Pour ceux qui nous choisissent, puis pour ceux qu'on fait le travail ou qu'on fait l'art. Tu peux dire, moi je t'écoute, tu peux dire que tu as grandi, tu as appris plein de choses dans cette année, tu as profité cette année pour rencontrer oui. plein de monde, savoir plus de choses qui vont t'enrichir comme artiste, c'est ça? Ben oui, ça m'a enrichi parce que j'ai travaillé chez moi dans mon atelier, des vidéos autrement. Ok. J'ai été sollicitée plus que jamais. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que d'un côté, il y a les chanteurs, des choses qui ça ne marche pas parce qu'il faut que ça soit... C'est complètement différent, sans public, dans un concert. Mais de l'autre côté, il y a les artistes très intimes comme toi, là, qui... Exact. Et qui, en plus, avec ton tempérament, que ça transcende, c'est quelque chose d'intéressant, c'est pour ça que le monde te recherche en plus. Quand tu vas y aller à un spectacle, normalement, c'est toi qui transportes toutes les affaires. C'est ça que je t'ai demandé tantôt. Il y a une équipe avec toi. Moi, c'est ça, je ne transporte pas physiquement mes choses parce que c'est trop lourd. Hein. Mais oui, c'est ça. Je ne peux pas traîner mon piano à queue. Hein. Donc, je peux pas traîner ma table à dessin. Apporte ton piano, on va faire un concert. OK. Donc, mon mari, ça prend des techniciens, évidemment, qui vont venir prendre la table. Moi, je me traîne, moi. OK. OK. Alors, toi arrives, mais qui se charge de toutes les affaires, les caméras, les affaires pour les... C'est les événements, ceux qui m'engagent dans un spectacle, ils s'arrangent, c'est leur... Sauf que moi, je leur dis, je leur fais des devis techniques, je leur explique comment ça fonctionne, mais parce que c'est souvent une première fois dans leur vie, à chaque fois qu'on fait un événement en art de sable, c'est pas quelque chose de commun. Alors, j'envoie mon devis technique, je leur dis comment faire... Je suis là pour les rassurer aussi. Là. C'est pas, on ne veut pas les mettre en malaise, tout ça. Là. C'est, au contraire, c'est un travail d'équipe, c'est une collaboration. C'est une collaboration du début, de A à Z, à partir de quand on veut que je mette l'émotion dans leur entreprise. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'ils veulent. Mais je suis là pour les aider aussi au niveau technique autour. Je les laisse pas tomber. Là. Pour moi, c'est très difficile de dire vous ou toi. D'habitude, je dis toi. Alors, est-ce que tu te souviens d'une expérience qui a marqué ta carrière profondément? Une fois, j'ai eu une approche. C'est toujours comme ça. On a le téléphone. Hein. D'ailleurs, mon bureau, c'est mon téléphone. Et on peut me rejoindre n'importe où dans le monde avec ça. Alors, les gens de n'importe où m'appellent. À un moment donné, une entreprise. Puis finalement, c'est toujours... on lance l'idée. Oui, moi, je suis prête à le faire. OK, on donne le challenge, oui, OK, on est prêt à le faire, ce projet-là, c'est intéressant, OK, je suis disponible, telle date, oui, c'est parfait, OK. Finalement, on n'a pas de nouvelles. Fait que, mais le temps passe, et tout d'un coup, 6 mois plus tard, ces gens-là avaient engagé quelqu'un d'autre, puis ils ont décidé, non, c'est celle-là que ça nous prend. Allez, maintenant, mets-nous tes émotions au prix que tu as besoin. Tu sais, dans le sens, on n'a pas le choix parce qu'on est obligé de te faire un prix aussi. On parle de budget, OK? Moi, je me colle aux besoins de chacun, mais j'ai aussi, c'est un travail. Donc, on n'a pas le choix, c'est rémunéré. Donc, cette fois-là, la personne, elle m'a rappelé, m'a dit, là, c'est en anglais, évidemment, puis elle a dit, écoute, on te veut, toi. Ce n'est que toi. Maintenant, mets toutes les émotions que tu veux dans notre show. Et cette fois-là, c'était une levée de fonds. Je pense qu'ils ont ramassé je ne sais pas combien de millions, là, parce que c'était quelque chose. C'était un,
c'était le wow de la soirée, mais ce qu'il voulait, finalement, il avait essayé quelqu'un d'autre. Mais c'était moi qui sont venus chercher après. Ça m'a vraiment, vraiment touchée profondément. Malgré tout, là, ils m'ont dit, vas-y, mets tes émotions parce que c'est toi qu'on veut. C'est tes Wow. émotions. Tes émotions vont nous faire réussir dans notre entreprise. Ça a été un super beau compliment. C'était une connexion, un travail de ensemble dans le monde. Ouais. Et tantôt, tu me racontais que tu es allée à République dominicaine aussi. Oui. Ouais. C'est Je voyage un petit peu partout dans le monde avec mon sable. ça. Alors, tu as voyagé à l'Europe aussi? Oui, je suis allée aussi. Ouais. Mais ça, c'est aussi bientôt en Sicile. On s'est fait arrêter Pour la pour le pandémie. COVID, mais Oui. le projet est à suivre, là. On va bientôt partir en Sicile pour faire un projet assez qui va se démarquer aussi, quelque chose. Mais c'est plus télévisé, spectacle, c'est un mélange de tout ça, là. Effets spéciaux, effets sables. Ouais. Donc, c'est Et bien. par exemple, quand tu es allé à Amérique latine, tu es allé à République dominicaine, à Centre-Amérique, est-ce que tu parles un petit peu espagnol? Non, Non, pas du rien tout. du tout. Mais vous savez, l'art, le dessin est multilangage. Non, mais parce que je m'imagine, il y aura des mondes qui s'approchent, il aimerait parler avec toi, ça va Oui. être en anglais C'était parfois, je en anglais. m'imagine. Oui, Oui. c'était plus en anglais. Oui. Mais j'ai souvent des traducteurs aussi quand ils savent que je parle juste français ou anglais. Alors, il y a du monde qui vient travailler Qui va avec moi. venir. Oui, c'est ça. Une agence où on vient m'aider, là. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Je m'imagine, parce que ça doit être très nouveau pour le monde en Amérique latine. Je ne pense pas qu'on voit souvent un spectacle comme ça. Très rare. Alors, Ouais. ça doit être quelque chose. C'était Bon, vraiment fun. il y a une personne qui t'a demandé, une élève, c'est ça que j'ai compris quand j'ai recherché cette vidéo-là pour le mettre aujourd'hui. Il avait fait un projet, je pense, à l'école. Il t'a demandé de dessiner pendant qu'il racontait une histoire. Oui. OK? J'ai décidé de faire ça pendant le COVID pour aider, pour redonner, pour offrir. C'était super beau. Il raconte une histoire. On va l'écouter tantôt. Il raconte une petite histoire pendant que tu dessines. C'est très intéressant parce que en plus, il t'a recherché à toi Oui. pour faire cette projet. Et j'ai trouvé super beau le projet en plus parce que c'est très intéressant. Il parle de la musique, il Oui. parle du racisme. C'est très, très, Perfect. très intéressant. Alors, on va le mettre et on revient pour finir le programme. On est arrivé déjà presque à 40 minutes. Parfait. Alors, on met les vidéos et on revient pour dire bye bye à tout le monde. Tout commença par accident. Pour essayer des micros électromagnétiques qu'il créait pour des guitares acoustiques, Léo Fender et son associé Doc Kaufman fabriquèrent une guitare ayant pour corps un morceau de bois plein, ce qui était à nouveau à l'époque. Séduits par ce son brillant, de nombreux musiciens commencèrent à leur emprunter le prototype pour leurs concerts. Ils commencèrent donc à fabriquer quelques instruments à la main, des prototypes principalement. La première guitare produite par Fender en série, moins de 50 exemplaires, fut l'Esquire, qui possédait un seul micro, une caisse de forme simple en bois de frêne, un manche en bois d'érable sans touche rapportée et des mécanismes de type Cluson. Ne se limitant pas aux guitares solid body, Leo Fender créa et commercialisa dès 1946 des amplificateurs très efficaces appelés Woodies. Ils sont suivis de nombreux autres modèles qui rencontrèrent le même succès que ces guitares. Par la suite, Fender fut racheté par CBS. Naissance du rock, année 1950. Le rock'n'roll apparaît au milieu des années 1950 aux États-Unis. Les gens ont envie de légèreté et d'amusement. À ce moment précis, d'importantes innovations technologiques voient le jour. Nouveaux modèles de guitares, d'amplificateurs, de microphones. Dans une société américaine où la ségrégation est présente, quelques artistes vont renverser les codes de la musique. Ils vont fusionner la musique issue de la communauté blanche, country, avec la musique de la communauté noire, gospel, blues, rhythm and blues. En allant contre l'opinion publique de cette époque où le racisme est à son apogée,
les artistes vont nettement faire évoluer les mœurs. L'industrie du disque commence à prendre de l'ampleur. Dans une société américaine où la ségrégation est présente, quelques artistes vont renverser les codes de la musique. Ils vont fusionner la musique issue de la communauté blanche, country, avec la musique de la communauté noire, gospel, blues, rhythm and blues. En allant contre l'opinion publique de cette époque où le racisme est à son apogée, les artistes vont nettement faire évoluer les mœurs. Le rock est alors considéré par un public adolescent comme une musique de révolte, brisant certains tabous liés au sexe et à la morale puritaine américaine. La naissance du rock s'accompagne de l'apparition de la guitare électrique. L'année 1962, premier concert des Rolling Stones, cette période est aussi marquée par de grandes figures comme Jimi Hendrix, les Doors, The Who, Pink Floyd ou Jefferson Airplane. Aujourd'hui, l'entreprise Fender a su s'actualiser avec les demandes de nos jours. Elles se démarquent toutes de leurs particularités. Sur les nouvelles gammes, nous pouvons choisir les couleurs, les touches et les cordes de guitare. Les deux nouvelles guitares que Fender présente sont une Stratocaster et une Telecaster. La Stratocaster de la nouvelle gamme est un mélange de rose et de bleu, dans un style décalé mais qui reste gai et épuré. En ce qui concerne la Telecaster, elle est de couleur marron, beaucoup plus simple avec quelques petits détails cependant. Et on est arrivé à la fin. Alors, est-ce que tu aimerais dire quelque chose avant de finir le programme? Quelque chose que tu aimerais, je ne sais pas. Non, ben, je suis très contente d'avoir fait une entrevue avec toi, un reportage. J'ai trouvé ça, j'ai adoré l'expérience. Je vous trouve très artistique à mon tour. Je trouve que chaque personne à l'intérieur d'eux qui croient que c'est les autres qui sont artistiques. Finalement, je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont artistiques plus qu'ils ne croient. Alors, moi, comme je suis un artiste visuel, j'ai le privilège de pouvoir avoir un petit peu plus de reconnaissance. Mais des fois, je trouve ça pas juste pour ceux qui sont très artistes dans l'âme et qui créent des choses sans que ça paraisse dans le monde, mais que ça fait toute une différence dans la culture, dans la société. Je veux juste dire ça en passant. Moi, je suis musicienne. Avant de partir, il y a quelque chose aussi qu'il faut dire. Toi, tu n'es pas juste, tu n'es pas plus un artiste à peindre. Aussi, tu as développé des autres carrières. Oui, c'est certain. Oui, c'est sûr que j'étais enseignante. J'ai toujours été enseignante, pédagogue. J'ai décidé de continuer de faire mon doctorat en psychopédagogie parce que je suis une personne qui aime savoir comment le développement humain évolue au fur et à mesure dans chacune de nos étapes de vie, dans chacun de nos domaines, dans tous les pans de la société. On a chacun nos qualités, nos processus de développement, nos processus d'apprentissage. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et quand je fais de l'art de sable, je suis toujours en progression. Et bravo, je te félicite. Et j'avais, pour finir le programme, je tiens à te remercier, à toi, Marie-Linda Bluto, d'avoir accepté l'invitation. Depuis des années que je suis ta carrière artistique et j'ai une grande admiration pour ton travail. Alors, aujourd'hui, pour moi, c'était un moment magnifique et mémorable. Quelque chose qui va rester sur mon corps. Moi, je te remercie beaucoup parce que moi, je ne suis pas une personne très connue dans l'ambiance artistique québécoise. Je suis une personne qui a un accent, mais qui a une grande admiration pour ton travail. Merci beaucoup infiniment. Ça va rester dans ma mémoire pour beaucoup de temps.
Mais pour c'est moi, très gentil de ta part. Merci, tu vas rester dans mes mémoires aussi. Bonsoir à tout le monde et merci infiniment. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui écrit quelque chose. Bravo à vous deux, belles femmes, Fanny et Marie. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée. On va dire bye bye à tout le monde. On se voit les jeudis. Les jeudis, c'est le rythme afro-péruvien. Cette fois, ça va être le programme en espagnol, mais on va danser avec Martine Carrillo. Merci beaucoup, Marie, et on se voit la prochaine. Que tous les succès te suivent partout, toujours. Merci. Tu le mérites bien. Bye bye. Bye bye.